Donc, bonjour et bienvenue sur ce 8ème épisode de Sukai World Sorbonne. Pourquoi je regarde ce jeu, fait salut, mais t'as tellement d'enthousiasme bon dans ta voix quand tu dis bonjour, c'est accueillant, je trouve. Salut. Hashtag suicide. Oui, Hazel, je suis très d'accord avec toi, c'est un bon jeu. Hashtag violence surtout. C'est genre, il commence, il parle et il finit, il ouvre même plus la bouche, tu sais. Ok, bonsoir, bon, on va se refoutre. Je me suis endormi à la fin de ma phrase, désolé. Désolé. Narcoleptique, hashtag Luffy. C'est ça. Ouais, ça me rappelle que Luffy... Ah, j'avais complètement oublié ça, moi. Ça fait tellement longtemps que je regarde plus les One Piece. Enfin bref. C'est une erreur. Les regarder, oui, c'est une erreur. Bah oui, c'est pour ça que j'ai arrêté. Il faut les dire. Les yeux, comment ils louchent, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment mis des caisses partout suspendues, tu sais, ils se sont dit non mais c'est bien. T'as non vu? Mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que l'araignée elle a monté un cube qui est genre combien de kilos? Bah j'en sais rien, je sais pas en quoi il est fait mais... Ça m'a l'air d'être du fer... Ah la physique de Zelda. On va reparler de la physique et on va encore me dire fuck you c'est magique. Bon je vais arrêter direct. Oui que... ta gueule c'est magique. Oui. Putain on a la barre d'endurance même pour... pousser ça mais... Bah au moins c'est logique quoi, enfin de la stamina pour remonter ça... En même temps, tu dois être fatigué après quand même. Non, mais juste... la stamina casse tout le gameplay de... Tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on a une barre de stamina? Parce que c'est le premier Link, et c'est une feignasse, donc du coup il a pas beaucoup d'endurance. D'accord, mais après ça disparaît cette barre de stamina du coup. Hein quoi? En fait, il y a une barre de stamina en fait. Voilà, c'est le seul et chronologiquement dans l'histoire des Zelda, c'est le premier. D'accord. D'une longue donc, série, vous allez souffrir. Voilà, le dernier sorti, mais dans la timeline, c'est le premier. Voilà. D'accord, ok. Genre, il n'y a pas encore Ganon, rien du tout. Ça, Ganon n'est même pas encore. J'ai beaucoup de mal moi avec les jeux qui en fonction des, enfin du moment où ça sort, où ils partent dans tous les sens au niveau de la timeline, c'est difficile à suivre, je trouve. En plus, dans les Zelda, il y a 3 timelines si je dis pas de la merde. Ouais. Oui. Ah, c'est difficile à suivre, surtout en fait quand il y a pas joué et que t'essaies de récupérer un petit peu des références, tu vois, de ou que tu les as pas tous fait, t'es genre perdu. Moi j'ai arrêté, hein. Moi je l'ai. Pour moi c'est dans le même univers, mais c'est pas la même planète. Moi j'appelle juste ça les fantaisies de Miyamoto. Oh, ouais. On en avait pas parlé, mais la caméra quand on est comme ça dans les mini-tunnels allongés, je trouve ça horrible. Ah. Heureusement c'est pas long. Heureusement que ça va tourner. Ouais, j'avoue. Sérieusement, on est parti pour des heures là. Comment c'est cheat-day ? Il y en a 5 à toucher là, ça va être difficile pour Shuka. Oh putain! Non, Shuka! 40 essais plus tard. Et 50 scarabées. Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a coupé là en fait. Non! En vrai, c'est tellement facile de couper quand tu fail et que le scarabée revient sur toi, tu sais. Oui. Mais non, je suis sûr, Shuka il est de bonne foi, il a pas coupé trop. Je suis sûr, Shuka en vrai, il est trop fort. Faut garder l'équilibre. Faut que tu penches dans la direction opposée, c'est ça? À vous, quand tu jouais, tu penchais ton corps. Non, je suis assis, je peux pencher mon port. Mon port. Oui, je peux pencher mon port. Enfin, c'est comme quand tu joues à des jeux de plateforme et que tu soulèves la manette pour c'est faire sauter plus haut. C'est comme quand tu joues à des jeux de voiture et que tu penches la tête pour que la voiture elle tourne plus, tu sais. Oh, moi je penche la manette tout quand je joue à Mario Kart, hein. Faut que mon dérapage il marche. Normal. Après ça dépend si tu joues à Mario Kart Wii. Ouais. Mais même si tu joues à Mario Kart Wii, sincèrement c'est beaucoup plus facile de jouer avec la Nunchuck que de jouer avec la télécommande dans la Wii. Moi j'aime bien jouer avec le volant à Mario Kart Wii. T'es con? Non? C'est fun, mais c'est pas très réactif quand même comme moyen de conduite. Moi, je finis tout le jeu comme ça, hein. Ouais, mais quand tu joues avec des potes et tout, t'es tout le temps dernier si tu fais ça. Non, moi je les tâtonne. Mais non, ils sont mauvais, tes potes. Moi je les tâtonne. Non, moi je m'en suis rendu compte que plus tard qu'on pouvait jouer au Nunchuck.
Ah. Oh. C'est triste. Même jeu qu'une manette de GameCube. Et c'est encore mieux. Oui. Non, honnêtement, je préfère la Wiimote et le Nunchuck. Ouais, je t'envoie sincèrement crever. Et même sur Smash Bros, il y en a beaucoup qui préfèrent la manette de GameCube. Bah non, moi je préfère le Wiimote Nunchuck. Mais t'as pas les Smash rapides sur Wiimote Nunchuck? Si, c'est juste que c'est ce qu'il y a à faire. C'est juste que tu les fais manuellement. Avant d'avoir d'attendre la manette de GameCube, tu savais avec quoi je jouais? Non. Avec une Wiimote seule. Sur le Nunchuck? Ouais. Avec le D-pad? Ouais. Donc si tu veux parler de skill, on peut en parler. Ah non, c'est plus de skill qu'il faut parler de Chocolat, c'est de stupidité aussi, en fait. Désolé. Non, c'est la seule manette avec un D-pad en fait. Ouais, c'est vrai. Trop bon comme il est tombé. Pourquoi lui est tombé pareil. Comme une merde? Parce qu'il a parce pas que le Link a tapé sur la corde pour le faire tomber. Qu'il est vicieux. Il a coupé le cordon. Non. Oh. Oh. Le bon jeu de mots. Fais gaffe, tu tires un peu sur la corde. Parlons de tirer sur la corde. Ça va pas très haut. Hein. Ah bah si. J'aime bien le mec, il a réussi à atterrir à un endroit où il visait pas. C'est ça. Physics. Cette action est scriptée. Nous ferons tout pour t'aider à arriver sur la plateforme. Non, c'est pas scripté. Il semblait qu'il s'est fail 3-4 fois. Oui, en vrai, ça se trouve, c'était coupé au montage, ça. Et vous n'avez rien vu. L'épisode, en vrai, dure 8 heures. C'est pour ça que j'ai plus d'espace sur mon disque dur. Je suis passé 8 fois dans le premier donjon. Après, en fonction de la musique du jeu, des fois, c'est un peu chiant de faire le montage quand tu coupes des séquences. T'es genre, ah, mais c'est chiant, il va falloir recoller la musique maintenant. Non. Les gens parlent par-dessus, ça... Ouais, mais si tu écoutes attentivement, tu le vois, ça, tu le sens. Chouka! Ah, ça va être net pas à l'entrée de la salle, au moins, ils sont gentils. Ah, bah, Karina of Time, ce serait pas gêné. Oh, wait, y'a pas de truc comme ça dans Karina of Time. Dans Karina of Time, t'arrives au début du donjon. Au début du jeu, tu sais. Non, tu recommences. Tu te réveilles dans ton lit. Putain! Comme d'habitude, hein, Link dort à chaque début de Zelda. Hein. Le jeu hardcore, tu vois, tu meurs. Tu rachètes un jeu. C'est genre... Mode voilà. Ultra Hardcore Difficile of Doom. Je suis en train de réfléchir, ça existe pas déjà ça? De quoi? Genre de quoi? Tu meurs, tu rachètes le jeu? C'est ça... Ben, en soi, les bornes d'arcade, c'est ça? Oh. Ouais, mais tu payes pas le même prix. Mais tu payes pas le prix d'un jeu, c'est un peu comme une location, une borne d'arcade, si tu veux. Entre 50 centimes Tu loues un temps de jeu, quoi. Et 60. Oh. Ah, on va avoir droit au boss. Vous allez voir, ce boss est très manly. Mais quoi? Il est fashion. Manly. Il est fashion. Il est fashion. Il est. Il ressemble Oula. À un homme ou pas. Oula. Ah, mais attention, d'accord. Un puzzle. Tu sais, t'as l'impression de jouer au jeu quand t'étais gamin, tu sais, quand tu te demandais de mettre des cubes dans les carrés, enfin, c'est les ronds, t'étais la petite maison, là, on l'a tous eu, non? Sauf que là, au lieu de faire rentrer proprement ton carré dans le trou carré, tu es en mode « Putain, Wiimote, tu vas arriver à faire tourner ce putain de bloc de merde !» C'est ça, quoi. Pourquoi est-ce que ça existe, merde? Je trouve ça pas mal, moi. Moi, je trouve ça classe. C'est genre... Eh, les gars, on n'a pas trouvé d'utilité à la fonctionnalité de la Wiimote, faut qu'on trouve un truc là. Vas-y, Roger, sors une idée. Mon fils, il a eu un nouveau puzzle. Ça, ceci est un homme. Il est fashion. Moi j'aurais dit que c'était une épée, bon, chacun. Tu pourrais l'emmener sur la corde avec toi, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Genre, tu réussis à le faire tomber, ça peut être marrant. Pouf. Elle est trop bien son épée, je veux même. C'est un homme, vraiment? Ouais, il est manly, hein. Il est fashion victime. Fashion police. C'est un méchant dans un jeu vidéo japonais. Qu'est-ce qu'il te faut? Ce méchant a été designé par Square Enix. Je dirais que c'est un mélange de Ganondorf et Sephiroth. Comment tu sais ça? C'est marqué sur son front. Ah mince. Sa coupe de cheveux. Sephiroth. Oh les yeux qu'il fait. Non, quand même, Ganondorf et Sephiroth sont quand même beaucoup plus classe.
Les jeux de Zelda sont pas mal dans leur genre aussi. Hein. Ouais, je réalise que j'ai plus envie de regarder Pokémon que de regarder ce jeu. Enfin. J'espère que Shuka coupera ça au montage parce que sinon tu vas te faire lyncher, Ryan. Ouais, je vais me faire lyncher, tu sais. Genre, j'ai fait le lapsus qu'il fallait pas faire, tu sais. Je sais pas. Attends, t'as dit quoi? J'ai dit, non mais les gens, les yeux de Zelda sont pas mal non plus. Et je fais, oups, pardon, c'est Link. Oh, comment j'aimerais pas être. Moi, j'avais entendu ça en mode les yeux dans le jeu Zelda, tu vois. Ouais. Non, mais oui, non, oui, on va dire ça. Bah oui, c'était ça qu'il voulait What dire. What? Qu'est-ce hein qui. Ah, il a dit qu'il était furieux, pardon, j'avais pas remarqué. Il est furieux. Il est pas content. On aurait pu rajouter des voix, ça aurait été bien, on aurait pu avoir une bonne prestation. Bouh. Je suis furieux. Et si je te soufflais dans le cou comme ça. Il y a jamais eu de voix dans Zelda. Oui. Tu stresses, hein? Oui. Il y en a eu. Midna, elle est pas Edge Bridge, mais bon. Ça, c'est Orochimaru. C'est dégueulasse. Il n'y a pas que les yeux qu'ils ont ratés, visiblement. Eh les gars, regardez, j'ai modélisé une langue et tout. Et ça sert à quoi? On voit jamais leur langue. Si ah, la j'ai cape, décidé elle est qu'on allait la voir. J'aime bien ses yeux. Ça manie nudiste. Plus ça va et puis... Je vois au reste de la vidéo, au reste du temps de la vidéo, que Shuka a galéré sur ce boss. Non. Ah, c'est marrant, sa posture, ça me fait penser à Hisoka aussi. Ou alors il a coupé. Non. Genre, on a l'impression qu'il tient une carte dans les mains, tu sais. Genre... Eh oh. Bah là, en fait, il attend à ce que l'épée arrive d'en haut, et du coup, Shuka lui fait une feinte. Non, je fais pas de feinte, je fais juste donner un coup vers le haut, étant donné que c'est une Wiimote, bah en gros, tu fais juste pointer vers le haut, tu donnes un coup vers le haut, tu vas faire un coup vers le haut. GG. Du coup, tu mets la Wiimote en bas vers toi, tu la pointes vers le haut, et ensuite, tu fais de bas en haut, et ça marche. Je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est pas grave. Ouais. En même temps, la Wiimote, c'est un peu du bullshit. C'est la première fois que tu joues avec au jeu de sport et que t'es avec la Wii. Là. Genre, tu fais des grands gestes et après, tu comprends, tu peux donner des tout petits coups de merde et ça marche quand même. C'est ça. Tu peux tout le temps taper vers le bas et que ça fait pareil. De toute façon, moi, à Wii Sport, je joue au bowling. Hein? De toute façon, à Wii Sport, je suis master, mais je la tiens dans les pieds, c'est la télécommande. Elle est posée, tu sais, puis tu tapes dessus. Ça marche aussi, hein. Ah, oh, il s'est téléporté, mais il est trop fort! Il est OP ce mec! Mais il est OP, ouais! Il a un bling, quoi! C'est abusé. Il a un bling! Un bling fashion! Il est fort! Ah, un bling comme dans Starcraft! Ouais, un bling! Admirez quand même cette magnifique musculature! Par de qui, hein? Oh, son épée, elle est de retour! À ton avis. Elle est beaucoup trop bien! Une épée, je te dis! What? J'ai horreur des ennemis qui chargent comme ça. Le pire, c'est que c'est vraiment pas dur de le faire, mais c'est juste que j'ai raté mon attaque circulaire, j'ai pas tout compris. Ray. Oui, tu peux envoyer des slash, si on peut appeler ça comme ça. Les classes célestes. Ouais. Je le fais pas, parce qu'il est useless à ce point-ci. Et tu peux pas les esquiver, t'es obligé de mettre une attaque circulaire pour ça. Je suppose que tu peux mettre un coup de bouclier, non? C'est surtout plus réactif, en fait, ouais. L'attaque circulaire. Mais vous avez perdu de la vie. Soignez-vous, ta gueule. Maître, vous n'avez plus de piles dans votre Wiimote. Ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'une Wiimote? Mais en vrai, elle le dit vraiment pour un forêt. Sérieux? Oui. Oui. Et elle te spam pour que tu changes les batteries de ta Wiimote. D'accord. Donc Silver il serait genre basse dans la merde vu qu'il a joué pendant 2 mois avec des batteries low, tu sais. Exactement. Nous on jouait là. Bah après tout on lui le rappelait quand même à chaque fois, donc déjà nous on était chiants, alors en plus si dans le jeu ça lui aurait pas. Ray. Oh, on va courir autour de la pièce, hein, récupérer des cœurs. Ou pas. Ouh, joli. Ce qui arrive quand t'es skillé, Azan. Enfin, le pattern de ce boss il est quand même pas très évolué. Hein. Non. Oh, c'est le premier. C'est pas comme c'est si avec premier. Que 3 donjons. Enfin, fait... C'est la première fois que tu l'affrontes surtout. Vous avez fait 8 là, épisodes et c'est le premier. Ouais. C'est long ce jeu. Oui. Non. Oui. Tu peux trop, j'ai l'impression. Bon, tu ah t'en ouais, sors là. Ah ouais, c'est à cause des cinématiques. Il y a combien de temps 70 heures, combien de cutscenes 69 heures, ok. 69 heures, t'as choisi exprès, je sais. C'est faire. Non, j'ai réalisé après.
C'est pas grave. T'aurais dû mettre 43, 42, voilà. Ouais, ouais. C'est bien aussi 70 et 69. Ouais, le jeu dure 43 heures. Il y a combien d'heures de cutscene? 69. What? Oui, le reste du temps, j'étais faire à manger. Oh, purée, faut que je fasse à manger pour demain. Genre vraiment? Genre vraiment? Oh, c'est pas grave, j'aurais acheté un truc. Tant pis. Ah là là, oh, le joli cœur. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va nous péter à la tête, ce truc? Non, non, ça c'est safe, t'inquiète. Ah, moi je m'inquiète pas, je suis derrière mon écran. Hein, ça, mais... c'est ce que tu as à la fin de tous les boss dans Zelda. D'accord, ok. Tu gagnes des points de vie. Regarde là, il avait 6 cœurs. Et maintenant il en a 7. Oh, c'est magnifique. C'est magique. Genre, t'as 7 cœurs dans la poitrine et tout, mais faut ça prendre la place. Pardon. Bah, en fait, de base, dans tous les Zelda, sauf celui-là, tu commences avec 3 cœurs. Bah là, tu commences avec 6. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu perds plein de wind. Ah, c'est peut-être parce que le ciel est complètement vide, et donc du coup, ils ont pas pu mettre de catnex. Ah, il faut filer l'écran, tu sais. La raison. Oh. Là, ça peut être une super bonne écran. Hein. Super bonne raison, pardon. Je vais plus parler. En tout cas, cet endroit est beau. Et tu vas pas me dire que lui, en venant du ciel, il pouvait pas atterrir directement ici. Alors, tu sais, non. Il y a genre des petits plots pour marcher dessus, genre on respecte le coin et tout. Non, moi je mets mes pieds tout crassous dans l'eau, quoi. En mode knocker, moi je veux une fée. C'est ça, moi je carotte les fées, quoi. Et je l'enferme dans un flacon. C'est ça. Et je la fous dans un sac pendant 70 heures. Attendez. Et puis, comme elle est gentille, elle viendra m'aider quand il faudra. C'est ça. Même si je l'ai séquestrée, mais c'est pas grave. Ah bah, ça qui est bien. Ah bah oui, j'ai oublié le bloc de la déesse qui se trouvait là. Bon, je vais venir le récupérer la prochaine fois qu'on va venir dans ce donjon. Oh, wait, spoil. Le bloc de la déesse? Ouais, le cube. Le cube de la déesse. Pff, ça me défonce. Ah, le podglyph? Oui, oui. C'est ça. Ah! Oh! Et puis les musiques dans ce jeu sont bien aussi. Ouais, ça je le reconnais. Ouais, aussi. Ouais, ouais. J'ai rien contre la musique de ce jeu. Enfin, j'ai rien contre ce jeu, à part le fait que c'est un très mauvais Zelda. Je suis désolé, moi je l'aime bien, voilà. Ouais, moi je l'aime bien, mais pas en tant que Zelda. C'est un bon Zelda. Ouais, les donjons sont ennuyants, la carte du monde est inintéressante, et les objets aussi. Lol. Les objets, ça va, le scarabée, voilà. Sur le seul objet, c'est pas comme si t'avais un grappin dans tous les Zelda, mais... Ta gueule. T'es en train de chercher un Zelda qui n'a pas de grappin. C'est bah, j'exclus les deux premiers de tout le temps. Ouais. Y'en a un? Je pense pas qu'il y en ait un dans Link's Awakening. Hello? Je contemple la cinématique. J'ai le joli Link's Awakening. Ah, c'est bien, tu peux voir qu'on va le faire sur cette chaîne. Ouais. Lol. Elle avait l'air masse triste. Maître Pleb. Maître Pleb. Tellement bien, quoi. Chouka, à vous, t'as modifié les textes, non? Non, non, non. Il s'est juste appelé Pleb. D'accord, ok, très bien. Bon ben. Bah, c'est la fin de cet épisode, donc on va dire ciao ciao et on va continuer de trancher le jeu. Enfin. Ouais. Salut! Ciao! Bisous!